Il y a un pôle commercial, un pôle politique, c'est ici ce qu'on appelle Alikapou, et qui va donner sur le jardin du roi et ensuite sur ses dignitaires, commercial de l'autre côté, et ensuite le peuple. Et donc de l'autre côté, frontalement, par rapport à l'entrée du commerce et des affaires, se trouvait la grande mosquée du vendredi, qui est donc articulée le peuple, le pouvoir et le commerce. La salle de prière, elle va être éclairée de manière très très indirecte, puisque ici vous avez une fenêtre à claustra qui nous donne accès quand on va tourner à l'intérieur et qui nous laisse deviner ce qui va se passer dans le sanctuaire. Donc ça, c'est d'une subtilité absolue. Et ensuite, nous, on avance sous ces coupoles surbaissées, on appelle ça des coupoles déprimées, c'est-à-dire presque plates, et qui sont revêtues du bas en haut de céramique. Il n'y a pas un espace qui ne soit pas floral. Notre parcours mystique va nous donner une sorte d'éblouissement quand on va rentrer. C'est une des plus belles mosquées de l'islam. Ici, il y a ce très beau contraste du portail qui va annoncer le mihrab, d'accord, et qui est nu, qui n'a pas de décor, hein, qui est donc l'absolu, hein, et qui va contraster avec la céramique de l'extérieur. Mais si vous regardez la céramique de l'extérieur, c'est pas du tout, du moins pas partout, la même technique. Regardez en face de nous, c'est des techniques d'incrustation. C'est-à-dire que là, vous avez de la turquoise qui est découpée et qui est collée, vous pouvez aller vérifier, qui est collée dans, pas ici, hein, mais dans le portail lui-même, hein, qui est collée dans les espaces sur la brique. Donc on retrouve une technique de céramique en mosaïque, hein, de manière à pouvoir faire ce bleu qui n'a rien à regarder. Si vous comparez ce bleu-là avec le bleu de la peinture ici, là c'est un bleu délavé, et là c'est un bleu qui est presque un bleu de bijou. La grande estrade Apadana, c'est-à-dire salle du trône de Darius, dominant donc l'ensemble, avec un plafond marqueté, peint et en forme cosmique, manière à montrer qu'il domine les destinées. Tout ça se reflétait dans l'eau qui était ici, car l'idée dominante, c'est de faire croire que l'eau
vient du palais du roi et va descendre pour irriguer la ville. Et c'est découpé avec des thèmes de banquet, c'est-à-dire des carafes, le vin mystique, des flacons, le parfum mystique, ou des coupes qui représentent aussi donc le banquet solide, donc le pain, le vin, et le parfum, et puis ce qu'on appelle des flocons cintrés. Alors les flocons cintrés, c'est une coupe avec un petit bouchon là, vous voyez, comme ça, voilà, qui sont des motifs bouddhiques. Les colonnes, elles reposent sur des appuis de lion. Le thème du lion gardien du site, c'est un thème millénaire. Et quand on est ici, on voit bien ce que je veux dire tout à l'heure, c'est-à-dire que le jardin prolonge. Est-ce qu'on est dans le jardin ici ou est-ce qu'on est dedans? Ou est-ce qu'on est dehors? La mosquée du Vendredi est construite sur une première mosquée de type arabe du 8e siècle par les Seljoukides qui dominent alors le monde iranien. Elle témoigne d'une nouvelle sensibilité architecturale. Le plan de la mosquée persane, avec des iwans sur les quatre côtés d'une cour carrée et un bassin d'ablution au centre de la cour, s'impose. Au milieu de chaque façade s'élève donc un iwan, grande niche voûtée d'une demi-coupole, qui forment un espace intermédiaire, ni dehors ni dedans, couvert sans être fermé. Les Seljoukides vont aussi rompre la régularité de la composition des portiques de type arabe pour créer une salle solennelle. L'idée est d'en faire une masura, un lieu spécial pour le souverain, isolé du reste des mortels. Dans chaque angle, sous la base de la coupole, 8 arcs identiques soutiennent un anneau octogonal de 16 panneaux peu profonds, intégrés à leur tour dans la base de la coupole. Les motifs de céramique colorés alternent avec des briques cuites de couleur naturelle. Si on reprend la question de l'évolution des principes ornementaux, on était parti de la brique nue avec des principes ornementaux géométriques et fondés sur le principe de la répétition, croix, losange, chevron, méandre, étoile, hexagone, octogone, carré de la pointe. De part et d'autre de la salle de prière, on garde de véritables salles hypostyles, héritage de la mosquée arabe classique. À l'époque timoride, 15e, puis safavide, 16e, on s'occupe de redécorer les surfaces murales avec des mosaïques en céramique à la mode. Une petite pièce comme ça, et il faut mettre au moins une semaine. Mais il va vous faire une miniature en 2 minutes. Voilà, rapidement. Voilà, regardez comment. Regarde.
faire avec la lune. Ben oui. Lorsque les Séfavides, au XVIe siècle, ont décidé d'instituer une religion d'État comme étant le chiisme. Et donc, à ce moment-là, ils ont développé un maximum les cultes chiites, et donc, forcément, Qom et Machad, qui se sont mis à prendre une ampleur spectaculaire à partir du XVIe siècle. Ampleur d'autant plus grande que, à ce moment-là, il est toujours bien vu chez nous, comme là-bas, de se faire enterrer auprès d'un saint. Les puissants en particulier ont cherché à récupérer le culte de Fatma en se faisant enterrer auprès de Fatma. Donc ici, se sont mis à graviter des tombeaux des princes séfavides, des rois séfavides.